Salut, dans cette mise à jour que je place en ce moment même sur mon journal de recherche, et je me suis évadé une fois de plus de mon sujet de recherche principal, c'est-à-dire de l'équilibre monétaire, et je me suis évadé plus vers l'histoire et la philosophie. Je me suis amusé à arranger une sorte de conversation à travers le temps et l'espace entre un philosophe polonais, Tadeusz Kotarbinski, un praxéologue, et Thomas Malthus, qui était probablement l'un des philosophes et l'un des penseurs sociaux les plus méconnus de son époque. Il était probablement le premier à reconnaître ouvertement l'importance de la démographie, et je crois qu'il était l'un des premiers à utiliser le principe méthodologique de l'équilibre économique dans sa recherche. De toute façon, vous pouvez lire toute cette conversation un peu légère sur ma mise à jour d'aujourd'hui. Bye.